pardon, j'écoute. Pour interpeller, quand tu dis j'écoute, tu interpelles le public. Et ça se fait aussi avec le regard. Enchanté. Normalement, t'as même pas respiré que t'es déjà avec la tennis, mais pour l'instant, on voit déjà juste le temps avant. D'accord ? Passer, ça va rester dans
même pas le sang. Je me mets dans ma bulle là. Oui, tu t'ouvres. Ouais. Tu t'ouvres au monde. Ouais. Tu t'ouvres à la note. Tu t'ouvres à ton sentiment. Tu laisses tout. Et surtout pas. Surtout pas. Avec tranquillité, sans lenteur. Et la guerrière arrive. Et ben voilà, quand tu lis le poème, belles frileuses qui sont nées, quand le soleil embrasait l'air au premier souffle de l'hiver. Belles frileuses qui sont nées, quand le soleil embrasait l'air au premier souffle de l'hiver. Massenet était très roubard, très charmeur, très expressif. T'as l'impression que c'était vrai? Mais c'est juste ce qu'il faut. C'est le bon équilibre entre la poitrine et la tête. C'est une mélodie descriptive. Tu décris en tapant. Pourquoi ce ciel de l'air? Pourquoi ce ciel couleur de fer? Pourquoi? Eh oui! T'as l'impression que c'est bizarre? Oui, très! Ouais, c'est pas enchantant. Ok. Parce que si tu fais pourquoi ce ciel? Donc tu vas rentrer par pourquoi ce ciel couleur de fer? Pourquoi? Tu comprends? La pauvre fleur disait au papillon céleste, ne fuis pas. Ne fuis. Et elle disait quoi? Ne fuis pas. Ah oui, ne fuis pas. Ça fait théâtral. Mais c'est théâtral. C'est sur une scène. Si, non, tu fais pas du chant. Ouais, mais là, ça s'y prête pas. C'est un truc tout léger, c'est un petit papillon. Oui, mais ça, c'est la couleur que tu crois qu'il faut donner à la mélodie. Je suis d'accord, c'est léger, c'est ça. Mais ça reste quand même du chant, ça reste une histoire, ça reste vocal, tu as un transistor. Si tu mets la radio au minimum que tu es dans la cuisine, ça reste les informations, mais tu les entends pas. Mais c'est les informations, mais tu les entends pas. Oui, donc ça va. Mais quand tu chantes, et ça c'est toujours difficile, il faut se faire une raison. On n'est pas public, on est interprète. C'est le public qui doit entendre ça. Et pour que le public entende ça, et qu'il entende l'histoire, qu'il entende la douceur, qu'il entende ce que tu veux raconter, tu dois chanter différemment. Il faut leur donner. Oui. Et là, ils tournent autour de la fleur, ils vont tomber amoureux, c'est beau. C'est quand tu rentres, tu dois illustrer ça. La pauvre fleur disait au papillon. Oh.